Quand j'ai dit que je renonce au clash sur les réseaux sociaux, beaucoup n'ont pas compris. Regardez comment deux continentaux se déchirent sur la toile. Et à la fin, tu entends que je vais te faire ci, je vais... Écoutez, hein, écoutez très bien, je vous prends la fin. Je vous prends la fin. Bipez-moi la l'aristocrate de la Belgique, là. Toi, si là, Aïcha Kamoise, tu vas laisser le nom des gens en paix. Ça va chauffer maintenant. Ça va péter. Tu as fait les captures d'écran de mon annonce. Tu as parlé de ça dans les réseaux sociaux. Toi, Aïcha Kamoise. Jusqu'à tu dis que... Pourquoi est-ce que quand les Ndepso là arrivent en Europe, ils aiment toujours vendre le piment? Quand tu ponds des anéries sur le nom des gens, quand on ne te répond pas, c'est pas parce qu'on a peur de toi. C'est tout simplement parce que tu es insignifiant. On t'a envoyé, c'est pas si tu, on t'a envoyé mon dossier, on t'a dit que je vends le piment en Belgique. Depuis presque un mois, tu mènes une campagne de sabotage sur mes produits. Ah bon? Ah oui! Est-ce que tu as les preuves de tout ce que tu es en train de raconter? Un peu tardé. Va. Tu vends les perruques, tu t'assois, tu commandes les choses sur AliExpress à 20 euros. Tu viens prendre, tu viens vendre à 200 euros, c'est même les fausses perruques. Godness! Les choses que les filles mettent dans leur top. Je vois les insensés, les bêtes filles. Moi je ne comprends pas. Je parle des petites filles bêtes qui suivent. Hein. N'est-ce pas? Les filles qui n'ont pas de cerveau, qui, je ne sais pas si elles ont fait ce qu'on appelle même la science de la vie et de la terre en terminale. Eh oui! Tu laisses le médecin, le gynécologue. Pour prendre les choses, les top, les ovules que Aïcha Kama va vous mettre dans ta flore vaginale. Massa. Elle-même là, elle a le top serré. Je m'intéresse. Je t'ai pas répondu jusqu'ici parce que, honnêtement, il faut être taré. Ah. Pour te suivre, en fait. Il faut être bête, idiot, pour pouvoir te suivre. Qui ça? Toi, Aïcha Kamoise, jusqu'à tu dis que, pourquoi est-ce que quand les Ndepso là arrivent en Europe, ils aiment toujours vendre le piment? Hey. Pourtant, ta mère et toi, vous avez fait le waka ici en France. Ah bon, hein? Ta mère, c'est la plus grosse waka à l'époque. Ah? Dans les 1900, ouais, ta mère, je parle de ta mère qui t'a mise au monde. Quand tu fais les directs où tu écartes ton chourou, où on voit l'intérieur de ton rectum, est-ce que tu as un exemple? C'est ça que tu vas inculquer aux jeunes petites filles? Je sais que quoi? Maman! Quand toi, tu t'inscris sur les sites de vente de piments, pour vendre ton chouroule. C'est le message que tu veux transmettre aux jeunes Ndepso. C'est gâté! Ce que les fleurs de l'île ont fait, c'est même rien. Ta mère, c'est la doyenne de la bordellerie. Quand on regarde même d'abord, en tout cas, toi-même, tu dis de ta propre bouche que tu n'es pas une saine. Avec tes tatouages, on le juge par exemple avec les tatouages. Toi-même, tu dis une grosse waka. Mon frère. À l'époque, les 2008-2005 là, c'était pas trop, il n'y avait pas trop les Instagram, les machins pour vendre le piment, c'était les annonces, on payait les journaux. Il y avait les journaux, maman, tu payes le jour. Et c'est ce que les Aïcha faisait avec sa mère. Ah, ça vous voit, maman. Quand toi tu fais le tour des sites de vente de piment où tu t'inscris pour vendre ton chouroule, c'est l'exemple là que tu veux montrer à tes jeunes Kwandengue qui veulent quitter le pays. Honnêtement, pour moi, c'est une manière de nous dire, je vous emmerde. Tu me l'as dit que dès que vous quittez le pays, tu étais censé faire les études de droit. Mais tu ne l'as pas fait. Tu es plutôt dans la vente de piments. Est-ce que c'est ce message-là que tu voulais transmettre? Honnêtement, vous n'avez pas honte. La malédiction. Hein? Un mec fou, comme le foufou. Toi, la vieille, je dis que tu vas laisser tes choses. Tu ne me connais même pas. Un, je vais débarquer avec la police là-bas dans ta boutique. Dégage! Tu ne me connais même pas. Moi, il ne rit pas. Hein? Je ne ris pas, moi je suis ce qu'on appelle Mami Wata, je suis l'ouragan. Allez dire. Voilà. Il y a des gens qu'on ne me classe pas. Je vais débarquer là-bas en France. Peut-être que tu ne connais même pas mes bras. Alors, je suis en Belgique, mais je t'atteigne là-bas. Je veux pas que tu penses que je suis en clash avec toi parce que honnêtement, ça serait t'accorder trop d'importance. Tu vas débarquer avec la police. Il faut laisser mon nom. J'ai le droit, le devoir et même l'obligation de donner mon avis. Quitte à ce que ça plaise ou ça déplaise, je vais toujours donner mon avis. Pensez pas que être créateur de contenu, faire le Congo ça et après faire les pauses publicitaires sur le travail. Sors, tu as les mains, tu as 10 doigts. Après, va parler de Chabda. Chabda m'a abandonné. Avec... Tu es la seule femme qu'on abandonne avec les enfants. Je vais terminer cette vidéo pour dire que de la manière qu'on ne te juge pas sur ton orientation, ne la juge pas sur ses choix. Voilà, vous avez bien compris. Et c'est du sérieux. Parce que beaucoup sur la toile pensent que quand ils regardent les clashs comme ça, c'est des mises en scène et tout. Je vous dis que
derrière ça. Quand vous voyez deux ou ses soeurs ou ses frères là, se déchirer comme ça, vous voyez la blague à quel niveau? Vous voyez la blague à quel niveau? Et c'est comme ça que le poison vient facilement. Je vous ai dit que ce genre de truc-ci là, je ne suis plus dedans. Les gens deviennent des ennemis comme ça, à cause des clashs. Voilà l'autre qui cherche à détruire l'entreprise de l'autre, pendant que l'autre veut ou c'est gâter le business, ou c'est le quoi de chevaux, ou c'est la vente des piments, ou c'est je ne sais pas quoi. Parfois dans les clashs, on dit même des choses qui ne sont pas vraies. Tout simplement parce qu'on veut détruire l'ennemi, parce qu'on veut détruire l'adversaire. Les clashs, les amis, en tout cas, ceux qui sentent, ceux qui ont les pieds solides, peuvent clasher. Mais moi là, j'ai compris que ce n'est plus à mon niveau. Les amis, clasher, on est derrière pour vous observer maintenant. Seigneur. Bienvenue au studio photo Vision Pro. Vision Pro. Le studio photo Vision Pro vous ouvre ses portes du côté de Yaoundé, au quartier Ngousso, avec des appareils de dernière génération. Le studio Vision Pro vous propose des services tels que reportage vidéo et photo des cérémonies de mariage, baptême, anniversaire, conférences, séminaires, obsèques et funérailles, et bien d'autres événements, peu importe la ville ou le pays dans lequel vous vous trouvez. Vision Pro, tu restes meilleur. Le traitement des vieilles photos, l'agrandissement photo sur tous les formats. Nous vous proposons le service d'infographie, conception des banderoles, des affiches publicitaires, tous travaux sur 2D et 3D. Sans oublier le montage audiovisuel. Le studio Vision Pro vous invite à venir faire les shootings photos pour les cérémonies de mariage, anniversaire, annonce, embellissement de vos pages sur Facebook et bien d'autres plateformes. Le studio Vision Pro dispose de techniciens qualifiés avec des appareils de l'heure, les drones automatiques, les caméras de dernière génération, les vidéoprojecteurs sophistiqués, les stabilisateurs et des véhicules 4x4 pour les voyages. Bon à savoir, le studio Vision Pro est situé dans la ville de Yaoundé, au quartier Ngousso, en face de la station Total. En allant vers la chapelle, numéro de téléphone 672 30 37 85 697 39 27 28. Le studio Vision Pro, les visionnaires de l'audiovisuel. Les visionnaires de l'audiovisuel. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.